Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on mange un burrito! Un burrito maison, style Chipotle, restaurant États-Unis. Il est pas méga, giga, méga énorme, mais tu sais, j'ai quand même une grande main. Fait que c'est quand même un papa burrito! Donc j'ai ça avec de la salsa on the side que je vais mettre dessus. J'ai aussi de la guac. Maison, j'ai mis sel, poivre, poudre d'oignon, poudre d'ail, that's it, mash it up, mash it up. Ensuite, j'ai eu queso pour tremper dedans. Du queso, c'est du fromage liquide. Et j'ai des chips, des sun chips pour tremper dans le burrito, juste pour manger de même, c'est trop bon. J'ai aussi mon Saint-Laurent frappé. Chin chin. Comme dirait Antoine, ouverture! J'ai pas de... En fait, je sais pas pour vous, mais moi, le papier aluminium, je ne peux pas, ça me donne des frissons de la mort, je refuse. Et c'est bon, j'aimerais ça refaire des ASMR bientôt, de bouffe. C'est juste qu'il me faut un micro. J'essaie de trouver mon ancien micro que je pourrais peut-être essayer d'utiliser avec mon téléphone, mais je le trouve pas. Fait que ça, je vais m'acheter un meilleur micro. Ou je vais essayer de trouver celui que j'ai déjà. Oh, regardez-moi ce joli burrito quand même. Donc là-dedans, il y a du riz blanc. Ok, au début, j'ai mis de la matouk. La matouk, c'est une sauce super piquante qu'on trouve en supermarché comme Maxi et autres. J'ai mis de la crème sur 14%. Avec de la matouk mélangée au fond, juste comme spread out. Puis par-dessus ça, j'ai mis un mélange de riz blanc, du bœuf haché tacos, des haricots rouges, du fromage marbré, j'adore marbré, du poulet shish tahu que j'ai fait maison, du poulet shawarma, et je pense que c'est tout. Donc, allons-y. J'ai mis toutes mes sauces de côté. Si j'avais mis mes sauces dedans, il serait plus gros. Mais là, j'ai mis mes sauces à côté. Ça me tentait de dip et de, you know. So, let's eat. On va commencer avec du queso. Okay. Non, on va commencer demain après queso. Je l'ai pas grillé non plus. Ça me tentait pas. Je voulais manger un burrito comme burritoé. Pas grillé. Guys, je peux mourir en paix. Comprenez? Oui. J'approuve. Prochaine bouchée avec de la salsa. Des épinards aussi. Ensuite, guac. Un peu de guac. That's amazing. Amazing. Ensuite, queso. Oh yeah, the golden cheese. J'ai mis un petit peu trop de matouk. Ça me brûle la gueule, honesty. On va mettre un peu des trois. Un peu de guac. Un peu de salsa. Et un peu de queso. Oh, regarde ça. Les trois ensemble, honesty, que ça va être bon ça.
Le poulet de l'aise. Un peu de guac. La guac, c'est rafraîchissant. C'est trop bon. Guys, c'est trop bon. Queso. Un peu de guac et un peu de salsa. Regardez comment c'est magnifique. Magnifique. Queso. C'est un petit peu un mélange tacos et shish taouk. La prochaine fois, je pense que je mettrai la sauce à l'ail. Ça doit pas être mauvais. Je vais essayer guac cheese. Guac queso. Salsa. La prochaine bouchée, je vais la prendre comme ça. Parce qu'elle a l'air délicieuse. C'est ça, je m'en fais ça. Une autre fois, là, je vais faire un pita comme ça, mais style shish taouk. Ça va être du.
faut vraiment que je me calme avec la matoute parce que yo, je vais tailler. J'ai vraiment la gueule en feu. Dernière bouchée. Avec les trois. Ouac, salsa. Et queso. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye!